soulever le couvercle des apparences, retourner les poches des choses. Dans un sens, toute lutte génère ce contre quoi elle combat. Monter à l'assaut, se dire en trois paroles, avec cette lassitude que l'on a et ce que l'on sent en soi de découragé, d'irréparable, d'inconsolé. Aujourd'hui, rendu à la poussière, l'horizon se creuse d'une manière étrange. Les images vivent toujours à l'intérieur de nous. Thank you.
Le crépuscule d'été se referme avec lenteur où tout se tient coi. Une grande courbe à peine accentuée, mollement, comme il convient aux fleuves paresseux, encombrés de bancs de sable et d'îles verdoyantes. Qu'est-ce que l'image? Comment peut-on l'appréhender? Pourquoi l'image nous saisit-elle, nous force-t-elle à nous arrêter? Ces moments insaisissables de notre vécu quotidien, où l'on est plus ou moins absent à soi-même. Thank you.
l'ajout des flèches qui produisent un sens giratoire inattendu, nous entraînant dans un vertige, marque une volonté évidente d'éviter tout repère réaliste. Des hypothèses sous forme de latence peuplées de phrases parfois incomplètes, telles qu'elles surviennent à l'esprit, la plupart du temps à notre insu. Un point aveugle où le monde s'est effondré, car ça échappe. Ça n'est pas un voyage facile, et moi-même, je n'étais pas équipé.
Mais là, tu peux pas manger, c'est trop compliqué. La logique se défait sous les pas, comme si on tentait de gravir une dune de sable. On se dit qu'en avançant, ça va s'arranger. Je ne suis plus ce que j'étais, ne sais pas plus ce que je serai, mais pour la première fois, je suis réellement quelque chose. Le silence reste les visages et l'énigme qu'ils sont. C'est là le paradoxe. Le jour est une escale nouvelle.